Si riche et si profond, insondable, c'est l'amour divin, l'amour de Dieu, mon rédempteur, aussi riche, si riche, si profond. Insondable, c'est l'amour divin, l'amour de Dieu, mon rédempteur, oui, pour moi, oui, pour moi, digne et sauvé par sa grâce. Pour moi, oui, pour moi, mon rédempteur. Incomparable, inestimable, c'est l'amour divin, l'amour de Dieu. Mon rédempteur, immuable, incomparable, inestimable, c'est l'amour divin, l'amour de Dieu. Mon rédempteur, oui, pour moi. Pour moi, indigne et sauvé par sa grâce. Pour moi, l'amour est dans et comme c'est beau, comme c'est doux, des frères donnés de l'agneau dit. L'amour de Dieu, l'amour est dans et comme c'est beau, comme c'est doux, des frais donnés de l'agneau divin. L'amour de Dieu, l'amour est dans et oui, pour moi. Nous lisons le psaume 50. Nous lisons la parole de Dieu. Dieu, l'Éternel, parle et convoque la terre. Depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant, des cieux beauté parfaite, Dieu resplendit. Il y vient notre Dieu, il ne reste pas en silence. Devant lui, c'est un feu dévorant. Autour de loin de lui, une violente tempête. Il crie vers les cieux à haut et vers la terre pour juger son peuple. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Et les cieux publieront sa justice, car c'est Dieu qui est juge. Écoute mon peuple et je parlerai. Israël, je t'avertirai. Je suis Dieu, ton Dieu. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je t'ai fait des reproches.
tes holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prendrai pas un taureau dans ta maison, ni des boucs dans ta bergerie, car tous les animaux des forêts sont à moi. Toutes les bêtes des montagnes par milliers, je connais tous les oiseaux des montagnes et tout ce qui se met dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, je ne te dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qui l'enferme. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Offrez pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la tresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Et Dieu dit aux méchants, quoi donc? Tu énumères mes lois. Tu as mon alliance à la bouche. Toi qui es les avis et qui jette mes paroles derrière toi. Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui. Et ta part est avec les adultères. Tu livres ta bouche au mal et ta langue est un tissu de tromperie. Tu t'assieds, tu pars contre ton frère. Tu diffames le fils de ta mère. Voilà ce que tu fais. Et je me suis tué. Tu t'es imaginé que je te ressemblais, mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Prenez donc garde, vous qui oubliez Dieu. De peur que je ne déchire, sans que personne délivre. Celui qui offre pour des sacrifices des actions de grâce me glorifie. Et à celui qui veut suivre sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Amen. Jésus-Christ, ouvre-nous la porte. Nous voulons entrer dans la maison de l'Éternel. Jésus-Christ, ouvre-nous la porte. Nous voulons entrer dans la maison de l'Éternel. Amen, 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 alléluia. Nous voulons entrer dans la maison de l'Éternel. Amen, 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 alléluia. Nous voulons entrer dans la maison de l'Éternel. C'est là que nous voulons nous trouver, notre Père, dans le lieu où toi tu te trouves, mon Sauveur. Nous sommes venus encore ce soir pour te dire combien tu es merveilleux pour nous. Merci du fin fond de notre cœur, notre Père Céleste, notre Dieu, pour la grâce que tu nous as accordée, Père Tibissant, d'avoir le souffle de vie et encore aujourd'hui, Seigneur. C'est pourquoi, ayant ce souffle, mon Sauveur, nous nous sommes précipités dans ta maison, Seigneur, pour te dire combien tu es merveilleux. Oh, Père Tubissant, parce que le séjour de mort ne peut pas te louer, Seigneur Jésus. Ceux qui descendent dans les fossés, Père, ne peuvent pas te louer, mon roi, parce qu'il n'y a pas la reconnaissance à leur endroit, mon bien-aimé Père Saint. Mais les vivants, ce sont ceux-là qui te louent, comme nous ce soir encore aujourd'hui. Sois donc béni, Père Dieu, pour le souffle de vie, mon roi, pour la bonne santé que tu nous donnes, Père Saint-Dieu, pour la restauration que tu manifestes, Sauveur béni. Louange à toi pour les chants et cantiques encore ce soir que nous avons chanté. Tu es vraiment merveilleux, Seigneur. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ton peuple qui est rassemblé ici, Père Saint-Dieu, et aussi ceux qui sont aussi rassemblés devant leurs écrans, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, qui soient aussi bénis et protégés par toi dans tout le pays où ils sont, Seigneur. C'est un peuple qui t'aime, qui marche avec toi, bien-aimé Père Tibissant, qui se consacre à toi, qui soit vraiment fortifié encore davantage, mon roi. Nous te remercions, bien-aimé Père Saint-Dieu, pour ton amour à notre endroit, tes compassions, Père Saint-Dieu, et la joie d'être, Père Tibissant, Dieu, compté parmi ceux-là que toi, tu as eu la grâce de vous rappeler, mon bien-aimé Père Tibissant. Nous voulons persévérer et continuons encore la marche avec toi, mon bien-aimé Père Tubissant, oh Dieu. Tiens-nous par la main, bien-aimé Père Saint-Dieu, malgré que le chemin rocaillé, étroit et difficile, Père Saint-Dieu. Et ce n'est pas facile, mon bien-aimé Père Tubissant, mais nous ne perdons pas courage, mon bien-aimé Père Tubissant. Tu nous as dit, prenez courage. C'est pour ça que nous avons confiance en toi, bien-aimé Père Saint-Dieu. Tu connais nos faiblesses, tu connais aussi, Père Tubissant, nos difficultés, Père.
Mais tu es là pour nous soutenir encore davantage, mon roi. Bénis mon frère, bénis ma soeur, bénis la croix de la perturbation de ces enfants qui viennent à toi. Mes soeurs aussi, mes frères qui te chantent aussi, bénis mes perturbations. Chaque frère et chaque soeur en ces lieux, bénis mes perturbations. Et ceux qui sont aussi en connexion, bénis mes perturbations. Dans leur lieu où ils sont, tu connais leur amour pour toi, mon sauveur. Merci encore pour tout. Merci pour mon précieux frère Zaché, qui soit béni, mon roi, Père Saint-Dieu. Merci pour ce que tu fais. T'envoies de lui, bénis mes perturbations. Mon âme te loue encore pour cela, Père. Louange et honneur à toi pour ta bonté, Seigneur. Nous te remercions encore ce soir pour tout ce que tu fais. À toi la gloire, l'honneur, la puissance et la victoire. Nous t'avons ainsi prié, Père, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci, Père. Merci, mon roi. Louange à toi. Merci pour ce que tu es. Merci pour tout. Merci, 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 Père. Tu es Dieu. Oui, merci, Père. Nous te merci, merci, Père. Oui, Père, tu le fais, mon sauveur. Tu restaures encore et tu conduis, tu gardes, Père, et tu fortifies. Merci, merci. Amen, amen, merci. Louange à toi. Oui, Père. Amen, merci. Tu es tout pour nous, Père. Gloire à toi. Il n'y en a pas un autre Dieu vers qui nous pouvons nous tourner vers le Seigneur. Ce soir, nous te disons merci. Nous sommes heureux que tu sois là, Père Saint-Dieu. Nous sommes heureux pour ta présence, mon roi. Louange à toi. Nos cœurs se réjouissent encore ce soir. Oh, Père du Puissant, souviens-toi de mon frère et de ma soeur, de chacun de nous encore en ce jour. Béni, Père, où nous sommes rassemblés en ton nom. Sois béni. Oui, Père. Merci. Merci, Sauveur. Gloire à toi. Merci pour tout. En ton nom, Père. Amen. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Nous nous sentons si bien lorsqu'il est toujours présent. Il vous bénisse richement. Vous pouvez vous asseoir. Combien il est bon, combien il est merveilleux de pouvoir avoir ce temps où nous pouvons nous tenir aussi dans sa présence et élever nos voix pour pouvoir lui dire combien il est bon pour nous. Nous le remercions encore ce soir pour ce qu'il a fait pour nos frères et sœurs et ceux qui ont été aussi tellement loin. Nous remercions le Seigneur pour notre sœur Elodie que j'ai vue tout à l'heure, qui est arrivée aussi avec ses enfants. C'est quand même très touchant. Hein? Elle vient de loin, elle s'est battue en passant par Paris et puis de Paris, elle est venue jusqu'ici. Que Dieu bénisse notre sœur et les enfants également aussi pour la distance et l'amour qu'elle a eu aussi pour venir aussi passer aussi ce jour avec nous aussi. Je remercie le Seigneur aussi pour la présence de notre précieux frère, le pasteur Yves. Amen. Vous l'aimez, non? Que le Seigneur te bénisse, mon précieux frère. C'est toujours une grande joie et une reconnaissance à l'endroit du Seigneur que nous pouvons avoir aussi nos bien-aimés avec nous et que le Seigneur vraiment les soutienne et les fortifie aussi davantage aussi. Merci aussi à mon précieux frère Vincenzo qui l'a accompagné parce que mardi il était là. Et aujourd'hui encore, il est là aussi avec sa famille. Vous avez vu notre sœur ici, Rebecca, qui a chanté. Vous avez aimé, non? Nous remercions Dieu. Oui, nous remercions le Seigneur. Parce que chanter, glorifier Dieu, c'est quand même une grâce. Quand on chante, c'est parce qu'on aime le Seigneur. Et nous devons prier pour tout un chacun, afin que le Seigneur, notre Dieu, puisse aussi accorder la grâce et la joie aussi dans la vie, aussi dans la famille, aussi ainsi. Ce sont nos frères et nos sœurs. Nous avons les désirs que Dieu aide à ce que réellement aussi que tout soit comme Dieu le veut. Nous remercions Dieu pour cette bonté qu'il manifeste à notre endroit. Et comme nous avons aussi notre précieux frère Yves, je voudrais donc lui demander de venir aussi vous saluer quand même. N'est-ce pas? Que Dieu te bénisse aussi. Mon précieux frère Yves, tu peux venir donc saluer aussi l'assemblée. Que Dieu te bénisse, qu'il te soutienne, mon bien-aimé. Vas-y, je t'en prie. C'est comme
un petit bateau sur l'océan, avec ses dangers, avec ses moments de joie, de paix. Et parfois, on y perd la vie. Mais que le nom du Seigneur soit béni. Parce que le petit navire qui est guidé par le Seigneur, celui-là, il va loin, très loin, très loin. J'ai failli perdre la vie, encore une fois. Et je bénis Dieu parce que le Seigneur a été bon avec moi. Si je devais vous dire combien de fois le Seigneur m'a relevé et il m'a dit, allez, repars encore une fois. Je vous assure que c'est la vérité. Alors je bénis Dieu. Je remercie le Seigneur parce que je suis indigne. Je ne dis pas ça au hasard, mais je suis indigne de le suivre, de marcher encore. Et je bénis Dieu. Je bénis Dieu parce que pour lui, pour mon Seigneur, et surtout pour les amis que j'ai, pour les frères, les sœurs, tous ceux qui me soutiennent, qui me supportent. Et je remercie le Seigneur pour cela, frères et sœurs. J'ai une sœur dans la chair et en même temps en Christ. Et cette sœur me soutient beaucoup. Je suis plus vieux qu'elle. Et elle est toujours en train de me supporter, de prier pour moi. Et quand je l'entends, frère et sœur, je l'ai dit au frère Léonard, je m'étais été jaloux d'elle. Je me suis dit, le Seigneur l'aime plus que moi. Je me suis trompé, parce qu'il l'aime comme il m'aime, moi. Et je bénis Dieu. C'est une de mes sœurs dans la chair, et en Christ, bien sûr. Et vous savez, j'ai passé des examens là, ces derniers temps. Elle a quitté ses petits-enfants, son mari, quitté, pas pour toujours, hein, mais pour veiller sur moi. Et je bénis Dieu pour cela, frère et sœur. Et pendant que j'étais à l'hôpital, eh bien, elle me supportait. Elle avait toujours un sourire pour moi. Et quand les docteurs et les grands médecins venaient me poser des questions, c'est elle qui répondait. C'est elle qui répondait. Je remercie le Seigneur pour cela. C'est quelque chose de merveilleux. De merveilleux. J'ai essayé de dire quelques mots, mes paroles avaient du mal à sortir. Mes enfants ne me comprenaient pas. La famille ne me comprenait pas. Certains écoutent ce soir. Mais ma sœur, elle écoutait comme elle écoute ce soir et elle comprenait ce que je voulais. Elle comprenait mes besoins, mes envies. Et je bénis le Seigneur pour cela, frère et sœur. C'est pour ça que je voulais rendre témoignage, non seulement pour Enzo, c'est mon neveu, et mon frère en Christ. Et lui, il est venu pour supporter mon église. Moi, je ne pouvais plus. J'écoutais, je restais derrière, et je remerciais le Seigneur. Et mon frère, quand il m'a demandé, pourquoi tu restais derrière? Je suis désolé. J'ai laissé la place à mon frère en Christ, Enzo. J'avais d'autres jeunes encore hein, qui pouvaient aussi. Mais lui, il est venu, il a quitté il a laissé votre église, votre pasteur, vos frères, vous, pour venir apporter la parole. Et il l'a très bien apporté, frère.
de vous certifier que c'est un serviteur aussi. Et moi, j'ai apprécié. J'ai apprécié. Je remercie le Seigneur pour ça. Mon témoignage, c'est ça. C'est que quand moi, j'avais besoin de quelqu'un, bien sûr que le Seigneur était là, et mon frère Enzo était là aussi. Ma sœur Francine, vous la connaissez, Francine? Elle m'a supporté. Elle a pleuré. Elle demandait de mes nouvelles à votre pasteur. Et je bénis Dieu encore une fois, frère et sœur, parce que le Seigneur m'a donné 8 frères et sœurs, non seulement dans la chair, mais en Christ. Et aussi, il a donné les frères et sœurs en Christ à moi, pour moi, rien que pour moi, frère et sœur. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux pour moi. Je remercie le Seigneur. J'aurais pu mourir. Et le Seigneur a donné un ange aussi pour moi. Martin, Francis. C'est vrai, c'est vrai ça. Il a fait en sorte, mon Seigneur, que je sois gardé, alors que je pourrais mourir. J'aurais pu mourir plusieurs fois. Alors que Dieu soit béni, que le Seigneur soit loué, frère et sœur, pour tout. Non seulement je suis heureux d'avoir une famille comme vous, mais je suis heureux aussi, frère et sœur, d'avoir des amis en Christ sur qui compter. Je sais que votre pasteur a prié beaucoup pour moi, et vous avez prié beaucoup pour moi aussi, et je loue Dieu pour ça. Je loue Dieu, frère et sœur. C'est lui que je remercie pour ce qu'il a fait pour moi avec vous. Amen. J'ai quitté le nord, le sud de la France, frère et sœur, pour venir ici. La Belgique, je ne connaissais pas trop la Belgique. Je vous ai connu, j'ai connu la Belgique à travers vous. Que Dieu soit béni aussi. Parce que ces amis-là, ces personnes-là que je connais aujourd'hui, un jour, je serai avec toutes ces personnes dans le ciel aussi. Ça, j'en suis persuadé, frère et sœur. Que Dieu soit béni pour ce qu'il a fait pour chacun de vous, pour moi. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux, frère et sœur. Dieu soit béni. Alors, en retour, moi, je bénis Dieu. Je sers Dieu avec les forces qu'il m'a données. Comme il a dit un jour, va avec les forces que tu as. Alors, moi, avec mes petites forces, eh bien, je vais aussi pour le servir. Alors, ces derniers temps, j'ai eu besoin de Dieu. J'ai eu besoin de son aide et tout. Et je remercie le Seigneur pour ce qu'il fait pour moi aujourd'hui. Dieu soit béni. Je suis heureux de vous d'être à votre service. Je suis heureux d'être au service de mon Seigneur. Que Dieu soit béni encore une fois. Amen. 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 Bonjour, cher. Que Dieu te bénisse. Nous avons prié. Précieux Sauveur, nous voulons te dire merci. Tu vois nos cœurs touchés de voir notre précieux frère. Merci parce que tu es le Dieu qui le soutient, que tu le fortifies encore davantage parce que son désir est de voir continuer à pouvoir te servir encore dans sa vie, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. C'est vrai, nous nous souvenons de ce par quoi aussi tes serviteurs ont passé, comme Job aussi, mon bien-aimé Père Tout-Puissant. Mais nous avons vu combien tu les as aussi relevés, Père. Et nous avons vraiment cette foi en toi pour notre précieux frère, Seigneur Jésus, que tu le soutiennes avec toute sa famille entière, mon roi. C'est vrai, il est à toi, il ne pense qu'à toi, il a besoin de toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Soutiens-les et accorde-lui la grâce, mon bien-aimé Père Tout-Puissant. Parce que ton peuple aussi a besoin de lui, Père Tout-Puissant, de le voir aussi fort,
dans la maison laquelle où tu l'as établi, bien-aimé Père Tibissant, le lieu où tes sœurs aussi, Père Tibissant. Et nous, nous sommes aussi dans la joie de pouvoir la voir et nous te disons merci encore de pouvoir avoir permis que ce soir, nous puissions aussi la voir, Père. Nous prions notre précieux frère aussi, Enzo, que tu le soutiennes aussi, que tu le bénisses pour l'assistance qu'il apporte aussi là-bas, notre précieux frère, Seigneur Jésus. Sois avec lui, Père, et toute sa famille. Merci aussi pour notre sœur Martine, Père Saint-Dieu, et notre sœur Patrion Francine aussi, Père Tibisson. Tu connais l'amour qu'ils ont pour ton serviteur, Père Saint-Dieu, et les désirs qu'ils ont aussi, Père Tibisson, que tu agisses encore davantage. C'est pourquoi nous te prions pour lui, Père, et pour l'assemblée là-bas. Seigneur, soutiens-les, qu'ils soient toujours là, tes servants encore, Père Saint-Dieu, et fortifiés par ta main puissante. Nous te rendons gloire et honneur. À toi la gloire, l'honneur, la puissance et la victoire. Nous t'avons ainsi prié, Père, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Lévenons pour que nous puissions prendre dans les Saintes Écritures rapidement dans le livre de Jean. On lit dans les Saintes Écritures, dans le livre de Jean. Lisons dans Jean chapitre 15, je pense que c'est cela, oui. Oui, c'est cela. Jean au chapitre 15, lisons à partir du verset 18. Jean chapitre 15, verset 18, qui dit si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez donc du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Amen. Notre Père, précieux Sauveur, nous voulons te dire encore merci ce soir pour la grâce et le privilège que tu nous donnes encore de pouvoir être là, pour pouvoir te louer et aussi d'entendre ta parole, Père Saint-Dieu, et comptons sur cette grâce que tu nous accordes, Père Tibisson, de pouvoir réellement aussi te voir à l'œuvre aussi dans la vie de tout un chacun de nous, Père Saint-Dieu. Nous te remercions pour cela. Nous venons de lire l'Écriture, mon roi, que tu puisses encore nous conduire, nous éclairer encore et nous soutenir encore parce que nous avons soif de toi, d'entendre ta voix, d'entendre ta parole qui nous fortifie. Ce soir, nous en avons vraiment besoin, Père. Sois béni et glorifié. Nous t'avons ainsi demandé, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Comme nous pouvons le lire dans les Saintes Écritures, ce sont donc les paroles que le Seigneur, notre Dieu et Sauveur, a eu à pouvoir adresser effectivement à ses disciples. Vous remarquerez très bien que le chapitre 15 vient donc après le chapitre 14, parce que dans le chapitre 14, c'est là que nous avons aussi lu et qu'il a aussi déclare aussi dans le verset 1 que nous avons lu, que je voudrais aussi relire, il dit « Que votre cœur ne se trouble point, croyez donc en Dieu et croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais donc vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai donc allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Voyez-vous, ça c'est le désir profond aussi de notre Seigneur, ce que il a exprimé cela d'une manière assez claire pour que réellement les disciples comprennent effectivement les désirs profonds et l'intention vraiment que le Seigneur a eu à pouvoir avoir effectivement aussi à leur endroit. Remarquez très bien que il a aussi continué à voir lire cela dans le Saintes Écritures, dans le chapitre 15 de Jean que nous venons de pouvoir lire. Il a dit effectivement que je vous ai choisi donc du milieu du monde. Et si vous remarquez très bien que ce qu'il a dit, c'est que il a eu à pouvoir leur exprimer qu'effectivement que c'est lui qui les a choisis. C'est pour qu'ils soient aussi rassurés qu'effectivement que les intentions en fait du Seigneur à leur égard seront toujours des intentions positives. Comme vous vous souvenez, comme le Seigneur a eu à pouvoir dire dans Jérémie, il dit « Les projets que j'ai formés pour vous sont toujours des projets de bonheur et non pas de malheur. » Bon là, il fait bien savoir qu'effectivement que c'est moi donc qui vous ai donc choisi. Et comme je vous ai choisi donc du milieu du monde, le monde ne peut pas vous aimer.
Donc, soyez déjà rassurés qu'effectivement que le monde aura toujours de la haine à votre endroit. Parce que vous étiez du monde, mais je vous ai tiré du milieu du monde. Je fais mon choix de vous, effectivement, en vous faisant sortir, effectivement, en vous sélectionnant. Donc, parmi les mondes, effectivement, donc, je vous ai choisi du milieu du monde. Donc, je vous ai tiré du monde. Or, le monde se disait toujours qu'effectivement, que vous lui appartenez. Quand on parle du monde, vous comprenez ce que ça veut dire, non? Donc, vous lui appartenez. Parce que, il ne pouvait pas arriver à pouvoir penser qu'effectivement, que ça, c'est vraiment un peu parmi eux. Il y aurait quelqu'un ou que des peuples, effectivement, des personnes qui auraient eu à pouvoir avoir, effectivement, un tel amour manifesté à leur endroit par Dieu, en fait. Mais là, Dieu a manifesté qu'effectivement, que lorsqu'il a eu à pouvoir se manifester lui-même, il a manifesté son choix aussi. Donc, il vous a choisi. Il dit donc, je vous ai choisi du milieu du monde. Donc, quand vous avez choisi du milieu du monde, effectivement, le monde va vous haïr. Maintenant, il dit, je vais m'en aller, c'est sûr et certain. Ça, parce qu'il avait déjà exprimé cela, effectivement. Il dit, mais je vais m'en aller. Et puis, il avait aussi dit, mais je sais que vous êtes déjà triste d'avoir entendu que je vais m'en aller. Mais il vous est donc avantageux que je m'en aille. Donc effectivement, quand il leur faisait comprendre cela, c'était pour que eux puissent vraiment être encouragés, même dans le moment le plus difficile. Quand bien même le ciel va devenir sombre noir, et qu'on ne voit pas tellement très bien l'issue, effectivement, dans l'autre marche, effectivement, qu'on commence à dire, mais c'est comme si nous tournons en rond. Mais il a dit, prenez courage, parce que je vous ai choisi du milieu du monde. Et puis il continue, on va dire, mais je m'en irai certainement, mais je vous ai dit, je m'en vais vous préparer une place. Et comme je suis parti vous préparer une place, je ne veux pas rester là-bas, mais je reviendrai. Oui. Donc chaque parole que le Seigneur dit, ça avait son importance. Il dit donc, je ne vais pas partir là-bas, rester là-bas, mais je reviendrai. Il dit, mais quand je reviendrai, il dit, je reviendrai vous prendre, effectivement. Mais pourquoi faire avec nous? Il dit, pour que là où moi je suis, vous aussi, vous y soyez également. Donc ça, c'est le désir profond du Seigneur. Que tous ceux qu'il connaît, tous ceux qu'il a connus, tous ceux qu'il a eu à pouvoir choisir, en fait, même s'ils sont encore sur la terre, mais qu'ils puissent avoir la connaissance et de pouvoir apprendre que si Dieu m'a choisi, c'est sûr et certain qu'il veut que je sois avec lui. Alors, pour maintenant confirmer toutes ces choses, effectivement, c'est important. Enfin, que tous ceux, parce que c'est important cela, il a voulu mettre un sceau à cela pour que celui, donc tous ceux-là, c'est chacun qui aurait la grâce de pouvoir aussi réaliser que le Seigneur l'a choisi. Pas en disant, est-ce qu'il m'a choisi? Non, tu dois avoir l'assurance et la certitude que le Seigneur t'a choisi. Tu dois le voir parce que tu vautrais dans le monde. Tu étais en plein dans cela, tout ce que le monde voulait, tu le faisais. Tu avais des amis dans le monde. Vous vous vautriez dans toutes ces saletés-là. Tu étais dedans. Amen. Mais maintenant, qu'est-ce qui fait que, aujourd'hui, toi, même si on te place là-dedans, tu n'y prends plus plaisir? Ce n'était pas par ton effort. Ce n'est pas toi qui as dit, je ne veux pas, non. Quelque chose s'est passé dans ta vie à toi. Que tu as dit, ah, parce que je suis un homme, je suis une femme, j'ai des désirs, je vais le faire aussi comme les autres. Mais c'est plus possible. Et pourtant même, tu es seul quelque part. Tu dis, non, je ne peux pas. Tu n'as pas peur que quelqu'un va me voir. Non, toi-même. Tu dis, mais dans ces choses, j'y étais. Comment ça se fait que je n'y prends plus plaisir? Comment ça se fait qu'une chose comme venir, s'asseoir dans une salle et prier, tu dois prendre... À l'époque, tout le monde ne peut pas prendre plaisir à la prière.
Tout le monde ne peut pas venir s'asseoir et dire, je chante la croix, et puis prend plaisir à cela, c'est pas possible. Tout le monde, regardez comment il chante, il danse la musique du monde, ça prend, ça fait plaisir à la chair. Donc tout chanson du monde, effectivement, ça fait plaisir à tout le monde. Donc on y danse, on prend plaisir, on est tellement content. Mais pas venir là pour chanter des cantiques en rapport avec la croix, la mort, le salut, le péché, la délivrance. Non ! Alléluia ! Il y a quelque chose qui s'est passé dans ta vie à toi. Tu n'as pas fait attention, mais c'est vrai. Dans ta vie, cela s'est passé. Il y a une main qui t'a fait sortir. Parce que toi-même, tu ne le voulais pas. Mais lui, il l'a fait. C'est pourquoi tu es là. Non, ça n'a pas été par un homme. Ni par toi-même. Mais lui-même, il l'a fait. Mais ce soir, il veut que tu comprennes qu'il l'a fait. Alléluia. Que tu sois sûr qu'il m'a vraiment choisi. Autrement, je serai dans le monde. Je danserai avec les autres. Je boirai. Mais aujourd'hui, non. Personne ne m'a empêché. Mais à moi, c'est que tu as fait quelque chose, mon frère. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en lui. Lève-nous, nous allons prier. Tendre Père et précieux Sauveur, ce soir nous voulons te dire merci parce que tu es vraiment le Dieu vivant, mon Sauveur. Tu aimes ton peuple, mon roi, et tu veux que réellement qu'il puisse réellement te rassurer parce que réellement c'est toi qui fais ton œuvre à toi. C'est toi qui œuvre, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, et c'est toi qui attire, mon bien-aimé Père Tubissant. C'est toi qui l'as fait. Puisque tu l'es fait, mon bien-aimé Père Tubissant, notre vie change, notre vie est transformée, Seigneur. Il arrive parfois que nous nous posons des questions, que nous ne voyons pas, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Mais ce soir, tu nous as accordé la grâce, mon Père Saint-Dieu, de réaliser que c'est toi qui fais ton travail, mon roi. Que tu es le maître d'ouvrage, mon bien-aimé Père Tubissant, Dieu. L'œuvre que tu as fait, bien-aimé Père Tubissant. Seigneur Jésus, quand nous voulons regarder encore ce soir, nous réalisons que tu es vraiment vivant, mon roi. Et que tu fais ton travail, mon bien-aimé Père Tubissant. Dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, mon bien-aimé Père Tubissant. C'est pourquoi tu as dit, oh, fortifie-toi et prends courage. Nous prenons courage, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Malgré nos faiblesses, mon bien-aimé Père Tubissant. Alléluia. Nous savons ce soir, bien-aimé Père Dieu, que tu nous as choisis, mon roi. Et que tu ne veux pas contre le monde, mon bien-aimé Père Tubissant. On a tiré du milieu du monde, mon bien-aimé Père Tubissant. Pour que nous soyons vraiment à toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Pour te servir, toi, comme tu le veux, Seigneur. Non pas comme nous le voulons, mon bien-aimé Père Tubissant. Mais parce que tu nous travailles encore, Père Tubissant, Dieu. Tu nous instruis, mon bien-aimé Père Tubissant. Tu nous apprends, mon bien-aimé Père Tubissant. À comment te parler, à comment te prier, à comment nous habiller, bien-aimé Père Tubissant, à comment te chanter, mon roi. Tout ça, c'est toi qui l'as fait, Seigneur. Que ton nom soit béni encore ce soir, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Que ton nom soit glorifié, mon bien-aimé Père Saint. Que ton nom soit exalté pour ta bonté, Seigneur. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour, mon Père Saint-Dieu. Merci pour la grâce, mon bien-aimé Père Tubissant, Dieu. Nous ne voulons plus nous plaindre, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Aujourd'hui, nous reconnaissons, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, que ce n'est pas par hasard, mon roi, que je peux prendre plaisir aux cantiques, mon bien-aimé Père Tubissant. Parce que les cantiques sont inspirés par toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Ce n'est pas par hasard, mon roi, que je peux te prier, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Mais parce que tu nous as choisis, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, nous te remercions, Père. Nous pouvions aussi nous plaire dans les églises, mon bien-aimé Père Tubissant, dans ce monde, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Mais tu as fait la différence, mon bien-aimé Père Tubissant. Tu as changé mon âme, tu as changé mon cœur, mon bien-aimé Père Tubissant. Tu as changé ma façon de voir, de comprendre les choses, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Louange et honneur à toi. Maintenant, je comprends pourquoi nous avons les difficultés, Père Saint-Dieu. L'honneur te revient, mon bien-aimé Père Tubissant. Le monde ne peut pas nous aimer, Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom ce soir. Béni soit ton Saint-Nom, mon roi. Nous voulons porter cette croix, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, et marcher avec toi, mon bien-aimé Père Tubissant, en suivant ce chemin étroit et resserré, ça va béni. Merci, mon Père. Merci pour ta bonté, mon Sauveur, bien-aimé Père Saint-Dieu. Merci pour ta grâce, mon Sauveur. Merci pour tes compassions, mon bien-aimé.
Mon âme te loue et te glorifie. Exalte et chante ta gloire encore ce soir. Merci, Père. Merci. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. Merci pour ta compassion, mon Sauveur. Gloire à toi. Et honneur à toi. Bénis mon frère. Et bénis aussi ma soeur, mon Sauveur. Bénis aussi sa famille, mon béni, mon Père Saint-Dieu. Chaque frère et chaque soeur, mon béni, mon Père Saint-Dieu. Qu'il soit béni par toi. Merci. Merci, Sauveur. Gloire et honneur à toi. Tu es l'étoile brillante du matin, mon Seigneur. Merci. Merci, Sauveur. Merci. Merci. Merci encore, mon Sauveur. Amen. Merci, Sauveur. Tu es merveilleux, Père. Merci. Ah, nul n'est comme toi, mon Sauveur. Merci encore, mon Sauveur béni. Merci pour tout ce que tu fais. À toi la gloire, à toi l'honneur, la puissance et la victoire. Nous chanterons ta gloire, mon béni, Père Saint-Dieu. Nous louerons ton nom, Père Saint-Dieu. Merci. Merci, Sauveur. Nous te disons merci. Pour mon frère, pour le salut de mon frère, le salut de ma soeur, mon béni, mon Père Saint-Dieu, et la joie de pouvoir être à toi. Merci. Merci, Père. Nous ne voulons plus douter, mon béni, mon Père Saint-Dieu. Nous ne voulons plus douter, mon roi. Bénis mes frères qui sont là-bas en Côte d'Ivoire. Père Saint-Dieu, que tu le bénisses, mes soeurs aussi qui sont fortifiées. À Paris, pardon, Père Saint-Dieu, en France, là-bas, il y a différents endroits. Oh Dieu, dans tout le pays, qui sont ce soir, qui sont aussi bénis. Et nous réalisons que réellement, tu nous as vraiment choisis. Sois béni, Père. Sois glorifié encore ce soir. Oui, Père. Merci, Sauveur. Louange à toi. Oui, Père. Non, mon Sauveur. Gloire à toi. Pardonne, pardonne mon Sauveur, merci mon roi, tout te revient, Père Dieu, merci. Louange et honneur à toi, garde ton peuple mon Sauveur, merci, merci mon roi, aide-nous Père Saint-Dieu, nous voulons avancer avec toi et te glorifier encore mon Sauveur, pardonne, merci. Merci, Sauveur. Merci, mon Père, de nous avoir choisis. Merci. Merci, Sauveur. Gloire et honneur à toi. Merci, Père, pour tout ce que tu fais. Mon âme te loue et te glorifie. Béni soit ton Saint-Nom encore ce soir. Sois glorifié. Sois béni. Merci, merci. Tu l'es, mon Sauveur. Merci encore. Gloire te soit rendue, mon Sauveur. Merci. Nous te sommes reconnaissants pour tout. Bénis ton peuple. Béni soit ton Saint-Nom. La gloire et l'honneur te reviennent. Gloire à toi, Père. Merci. Oui, Père. Tu l'as fait. Tu l'as fait, tu l'as fait. Merci. Gloire à toi, mon Sauveur. Merci pour tout, Père. Merci. Gloire te soit rendue. Au nom de Jésus-Christ. Je voulais demander à la chorale de se lever alors. Que Dieu vous bénisse. Mon frère Zaché, tu peux venir. Je chante la croix quand il y a la victoire. Vous pouvez chanter. Merci. Et Dieu vous bénisse.
contre un poids, c'est la puissance, puissance de Dieu pour moi qui ai cru. Chose impossible, mais Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la chair. Je chante la croix, c'est la puissance, puissance de Dieu pour moi qui ai cru. Chose impossible, mais Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la chair. Chose impossible pour tout humain, par Adam j'étais esclave du péché. Il a fait et m'a libéré. Lui seul a pu m'affranchir du péché. Chose impossible pour tout humain. Du péché. Chose à